à tous et bienvenue à Nice. Dans ce nouveau reportage, nous vous emmenons à nos côtés au bord de la Méditerranée pour un événement mythique. Le marathon des Alpes-Maritimes, Nice-Cannes. Comme son nom l'indique, le marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes rallie Nice à Cannes en passant par de nombreuses villes de la Côte d'Azur, entre mer et palmiers. Le départ est donné sur la mythique promenade des Anglais à Nice et l'arrivée se tient sur le célèbre boulevard de la Croisette à Cannes. Au total, 42,195 km avec 173 mètres de dénivelé positif, dont 95% au bord de la mer Méditerranée. Le tracé de la course traverse 7 communes emblématiques du département des Alpes-Maritimes. Nice, Saint-Laurent-du-Var, Cagnes-sur-Mer, Villeneuve-Loubet, Antibes-Juan-les-Pins, Valoris-Golfe-Juan et Cannes. Et afin de vous faire vivre l'aventure telle que le vivent les autres participants, nous allons nous aussi retirer notre dossard. C'est parti. Le retrait des dossards se fait au village partenaire qui a lieu au sein du prestigieux Yacht Regency Nice, Palais de la Méditerranée. Tout est bien organisé. Il y a même un sac Keep Run de 17 litres offert à tous les participants. Le village est aussi l'occasion de découvrir de nombreux stands partenaires du Marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes qui permettront aux 14 000 participants de s'équiper de la tête aux pieds. Pour célébrer cette 15e édition, les organisateurs ont demandé aux participants de venir courir en bleu. Ou de porter juste un accessoire bleu en l'honneur du ciel azuréen. Nous aussi, nous avons décidé de jouer le jeu. À demain. Bonjour. Donc j'espère que le live fonctionnera jusqu'à l'arrivée. Je vous le garantis pas, ça dépend le réseau. Et donc on va enchaîner avec pas mal d'interviews tout le long du parcours pendant ces 42 km. J'espère que ça va vous plaire. Donc là on a les deux allées de la promenade des Anglais qui est remplie de coureurs. Les élites sont parties légèrement avant nous, donc on n'arrivera pas à les rattraper. Hein. Ça c'est clair. C'est pour ça qu'on va pas finir premier. Hello. Ils sont en pleine forme. Le sourire. Est-ce que ça va durer? Ça va Zoé? Ça va. Ça se passe comment pour l'instant? Pour l'instant ça va. Le départ, vous n'êtes pas parti trop vite? J'espère pas. Ah Stéphane, ça va. Derrière t'as un t-shirt, c'est écrit bats-toi. Ouais c'est ça. Tu peux nous expliquer un peu plus? Oui c'est pour ma mère, en fait elle est carrément malade. Du coup bah, je cours pour elle quoi. Ah. Allez, allez, vamos, vamos. Allez. Toutes les nationalités sont présentes. Hein. C'est incroyable. Ah oui. Ils sont là. Ya no habla. Viva l'Espagne. Viva l'Espagne. C'est ça. Donc dossard bleu. Oui, c'est oui. Le semi-marathon. Oui, oui, oui. Le bleu. Nelly. Nelly. Allez. Oui.
Go, Nelly, go, 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 go! Podium, podium! Bravo! Coucou maman, on se retrouve à l'apéro sur Skype. À l'arrivée. Bisous! Il y a des verres plus loin, il y a de l'eau plus loin. Plus loin, plus loin, ils sont vides, ceux-là, ils sont vides. Allez plus loin, allez, 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 allez. Merci, Daria. Allez, je vais sourire. Alors hier, il y a plu énormément, vous voyez, ça se voit, donc on a de la chance aujourd'hui, on s'en sort plutôt bien avec la météo. Les coureurs sont tous dans leur bulle, concentrés sur leur objectif. Certains visent le chrono, d'autres veulent tout simplement finir, un peu comme nous. Hein. Et toi ? Finir aussi, finir. Ouais, voilà. Avec le sourire si possible. Ton prénom ? Eric. Eric, Eric dit Ricou. Ouais, voilà. Et il y a le sourire pour l'instant. C'est ce qu'il faut. Ça va. On va essayer de regarder jusqu'au bout. Et là, il y a le meneur d'allure. 3h45. Alors, viens. Ça va, ça va. Dis-moi, c'est quoi ton rôle ? C'est de donner l'allure pendant toute la course. D'avoir un rythme régulier. Donc, tous ceux qui sont derrière toi finissent en 3h45 ou il faut être devant ? Non, ils sont bien. Ils sont au bon endroit. Ils sont au bon endroit, là. C'est ça. Bon, allez. Merci à toi. Bonne course. Alors Elisa, spécialiste des courses route et trail, mais avec GoPro, un peu comme nous. Et c'est quoi ta chaîne YouTube pour ceux qui veulent voir? C'est Elisa is Running, il y aura une vidéo sur le marathon. D'accord. Voilà, tu vises quel chrono? Voilà, j'ai été blessée. Donc j'essaye de garder le meneur là, des 3,45. D'accord. Si je peux l'accrocher jusqu'au bout. Franchement, ce serait magnifique. Magnifique. Allez, bah, bonne course et bon courage. Ouais. Ouais, merci, vous aussi. Bientôt la fin, bien, c'est le semi. Semi, oui. Ça va? Alors, oui, pourquoi tu t'es pas lancé sur un marathon? Parce que c'est mon premier semi de la vie. D'accord, ah oui. C'est en préparation d'une autre marathon après, peut-être. Ouais. Très bien, bon entraînement du coup. Merci beaucoup. Bravo. Merci à vous. T'es grand, hein. J'arrive pas à te filmer. Tu triches, toi, tu fais des deux. Un pas, on en fait moi, deux, nous. Ah ouais, mais chier, hein. Oui, par contre, voilà. Alors, Marie, je vois que tu as prévu un petit accessoire bleu clair. J'ai prévu un accessoire bleu clair. Donc, tu as joué le jeu. J'ai joué le jeu du thème bleu. Voilà. Je vois qu'il n'y a pas tout le monde, mais voilà. Fais des petits efforts. Et c'est très bien. Aussi. Oui, les chaussettes, j'ai vu aussi. Bravo à toi. Attends, Miss. Oh, wow. Je peux pas me permettre d'exagération comme toi. Hein. Alors, tu t'appelles comment, ma petite Miss? Alice, voyons. Comment? Alice. Alice. Est-ce que c'est un défi, pas un défi? C'est quoi? C'est ma tenue traditionnelle, voyons. La tenue traditionnelle et tout. Oui, les tous les jours, au quotidien. Bon, tu vises qui le chrono? Oh. Première féminine. Première féminine ou quoi? Miss. C'est le troisième marathon. Ah. Donc première Miss, tu vises. Tout à fait. Je suis ici, c'est la première. Allez, bravo. Allez, merci à toi. Et bonne fin de course. Merci. Tu pourras pas m'attraper. Je vais te doubler. Bonne course. Ouais, maman. King Queen. Song. Allez, super. Et ici, on a un relais. Fais un relais à 4? À 6. À 6? Ah d'accord, je croyais que c'était à 4 le relais. Alors, c'est qui tes copines? Ou tes copains? Tatiana, Nicolas, Loris, Marion et Greg. Vous avez tous le même niveau? Non. C'est vrai? Non. T'as choisi la partie la plus facile là? Ouais, c'est ça. Ouais, tu triches. Hein. Maria, tu
t'es engagé sur le semi? Non, c'est 20 km. 20 km. Ouais. Bon, c'est presque un semi. Ouais, presque. T'as joué le jeu un peu d'un déguisement, c'est cool. Ouais. On n'est pas très nombreux, mais ouais. C'est cool d'être. Alors pourquoi justement? Bah pour être plus joyeux. Voilà. Je pense, voilà. Ça met aussi l'ambiance. Ouais. Ah, c'est bien. Du coup, t'as beaucoup de monde qui t'encourage en même temps, je suppose. Ouais. C'est pas mal aussi. Il y a aussi les coureurs qui mettent l'animation. Il faut de bonheur et de bonne humeur. Voilà. Alors c'est quoi ton prénom? Laurent. Laurent. Alors, t'as pris ta petite sono, est-ce que ça va durer jusqu'à l'arrivée? Ça c'est, y a pas de souci. J'ai la batterie pour. La batterie pour la sono, la batterie dans le cœur. Et derrière t'as la danseuse qui te suit. Vous êtes trop beau comme ça. Merci. C'est gentil. Ménard d'allure, 4 heures. Oh, il nous double. Fais-lui accroche-patte. Attends, je monte sur son dos. Ah ouais, je t'emmène. Allez, les gars. Ouais. Oh. Ouais, on est là. On est là, Pascal. Oh, on est là avec Marcel. Moi, je croyais que t'étais devant. Ah non, mais je le fais à la couche, je suis un peu blessé, alors... On fait très cool, il y a Benoît aussi qui est là. Tu penses à te bouger un peu là. Il va aller contre un billet en bleu. Super Lolo, d'habitude t'es dans les calanques là. Ben là qu'est-ce tu vois, que tu fais sur le marathon Niscan? Je suis venu pour faire un peu de... Un tranquille, un petit semi. Et tranquille. Ok. Et après je reviendrai en force d'ici quelques mois. Ouais, t'as l'air en forme. J'ai un petit défi cette année, alors c'est mon 46e marathon de l'année là. 46e ouais. De l'année? Ouais. Le but c'est d'en faire 52 par semaine. D'accord, chapeau. Ouais. Ah, le prochain, ça sera lequel? Le prochain, c'est Cognac. D'accord. Et après, je fêterai mon 100e au Beaujolais. Viens là. On est de Lille. Ah, oui, là, vous êtes loin. Bonjour. Qu'est-ce que vous... Pourquoi vous avez choisi ce marathon en particulier? La beauté. La beauté, déjà on a la mer, c'est un très bon marathon. Et puis comment bien, ça change le décor de Lille. Hein. Ah ouais. À Lille aussi vous avez la mer. La mer du Nord, non? Oui. C'est pas la même couleur. Elle est moins bleue. Elle est moins bleue. Allez, regarde comme c'est beau. Regarde. On dirait le ça. Au kilomètre 20 et 30, on va retrouver STC Nutrition sur les ravitaillements. Donc j'espère que ça va nous donner un peu de boost. Allez, bravo, super. Énergie. Fait un semi! Yann, on a fait l'équivalent d'un semi. Ouais. Il nous reste la même distance. Ouais. Et du coup, comment tu sens là? Je me sens pas très bien. Ah. C'est pour ça que je fais une petite pause. Mais ça va redémarrer. Oui, un petit oui, coup oui. De repos et puis. Pas de crampe. J'ai l'habitude. Non, pas de crampe. Donc ça va redémarrer. Un coup de mou et après ouais, ça va repartir. Reprendre. Exactement. Voilà. Ça soupire là. Ça commence à être dur. Les jambes. C'est mon premier. Ah bravo. Faut se lancer un jour hein, de toute façon. Maya l'abeille. Ouais. Oh, belle. T'appelles comment? Raymond. Oh, c'est mon 50e. 50e marathon. Ouais. Allez, ah, bravo.
Mais bon, toujours déguisé ou pas? Non, il y a que 2 ans qu'on fait déguisé. Moi, je faisais des corridas déguisés, mais quand on marathon, parce que j'étais en performance encore, en voulant faire des performances. Donc, quand on est déguisé, c'est plus pareil, quoi. C'est pour la fête. Là, c'est très compliqué, les cuisses, les bras, KO. Donc j'essaie de boire du coca, de l'eau, bien boire, bien s'hydrater. Oh, oh guys. La licorne. Allez, bravo. De la chaleur De tout. De tout. Premier marathon. Premier? Ouais, j'ai commencé à courir il y a 2 mois. Ah oui, bien. C'est galère. C'est quoi ton prénom? Armand. 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 Et Armand, qu'est-ce qui t'a poussé à franchir le pas du marathon? Une connerie peut-être. Non. La naïveté peut-être surtout. L'admirative de la force dans les bras. Après en descente, tu vas être une fusée après. Allez, ouais. Allez. Ça va, pas de crampes pour l'instant? Bah non, mais bon, il y a une petite astuce si jamais. Faut toujours avoir un petit quart de citron vert. D'accord. Citron jaune, n'importe, ou un cornichon, ça pète les crampes, c'est vachement efficace. Voilà, ça pour la prochaine. Merci pour le conseil. Quand vous ferez les 100 km. On sort au kilomètre 30 et les coureurs partent d'un mur, un fameux mur qui se traduit par une baisse d'énergie et une baisse drastique de la vitesse. Voyons voir parmi nos coureurs si ce phénomène physiologique existe réellement. Très mal aux jambes. Très mal aux jambes? Ah oui. Et quel est ton ressenti en général? C'était bien jusque là, et là je commence à vraiment un peu à galérer là. Mais il fait beau, c'est agréable, donc c'est cool, mais ouais, c'est... Pour un premier, c'est très très dur. Ton premier marathon? Ouais. Alors tu vas terminer au mental? Ouais, c'est ça. Comment t'es au 30e toi là? Ça va, je connais le coin par cœur parce que j'habite ici, donc... D'accord. Mais là c'est un peu dur quand même. Mais bon, on va y arriver. Donc le mur, toi, il n'y a pas de mur là? Non, c'est plus le Berlin plutôt. Hein. Allez, à plus. Allez, bah, amuse-toi bien. Merci. Oh, on a vu le coureur licorne. Est-ce que vous êtes supportrice du coureur? Pas en vrai, hein. Pas en vrai. Allez. Allez, courage. Merci à vous, hein, pour l'ambiance. Allez, les gars. Si. Allez. On sent dans la démarche que ça commence à être dur, hein. Ouais, je sais pas pourquoi, mais d'un seul coup, là, ça a commencé à tétaniser un peu les jambes. Bon, c'est le mur du 30e. Sûrement. T'as peur qu'il tombe? Je peux, ouais. Ou c'est toi qui va tomber? Non, moi ça va, c'est lui qui va tomber. Ah, ça va. Moi je vais y aller. Allez, bon courage. Merci. Super. C'est dur, hein. C'est dur. Ça va le faire. On arrive au bout. Allez, bravo. Faut tenir, hein. On est champion.
est toujours là. Bravo. Toujours en course. Bravo. On a des conditions, on a des conditions dures. Le vent de face là tout le long depuis le Cap d'Antibes. Et j'ai juste envie de m'arrêter en même temps. Même quand je vais m'arrêter, j'aurai mal aux jambes. En fait. Donc non, ça va, je suis contente. On m'a dit que c'était pas trop mal. Merci. Je suis parti presque blessé parce que je me suis blessé il y a un mois. D'accord. Je finis pour, à pied pour. De toute façon, il reste 5 km. Pour pas se blesser, ouais. Donc ça va. Ça va. Le vent à l'écoute là. Le vent, là. Putain, vent de face comme ça. Ah, le vent de face, dur. T'as l'impression de pas avancer. C'est votre premier marathon? Non, pas le premier. Le deuxième, troisième, moi. Les habitués. Oui, ils sont tous différents. Ouais, c'est vrai. Bon, alors ça va, ils t'ont tous suivi dès le départ ou t'en as largué? Il y a un petit groupe depuis le début, mais j'en ai perdu quelques-uns. Ah ouais. Bon, c'est le jeu. Il y a les petites montées là qui font mal. Mais là, il reste à peine 5 bornes. Là, ils sont bien alors. Ça va aller. Personne ne parle, hein, attention. Hein. Ah ouais. Ah, c'est carré, hein. Attention. Je crois que c'est pas plus mal. Moi, ça va, je peux parler, mais. Allez. Allez, bonne course. Allez, bonne course à tous. Bon finish à tous. Merci. Allez, Laurent. Allez. Merci. Et Adila, le sourire et tout, mais il est en pleine forme. Hein, tu fais le comédien là. C'est ça. Allô? Allez, au top, bravo. Merci. Allez, bravo. Allez, courage, dernier kilomètre. Merci beaucoup. Bravo. Et regarde qui est derrière. Il l'a fait. Eh Laurent, il l'a fait. Bravo. Allez, montre-moi cette médaille. Merci. Elle est belle, hein. Merci pour votre soutien. C'était très sympa en tout cas. Nous espérons que vous avez apprécié ce reportage. Si c'est le cas, alors notre objectif sera doublement atteint. À bientôt pour de nouvelles aventures.